Merci Madame la Présidente. Moi j'irai beaucoup plus loin, je pense que cette décision est proprement scandaleuse. D'un point de vue juridique d'abord, parce que la Cour continue une jurisprudence qui est contraire à l'esprit du droit, qu'elle est supposée faire appliquer. Elle s'est permise de juger sur le fond un différend international, et c'est hors de sa compétence qui lui a été attribuée par le traité de l'Union européenne, notamment dans son article 19. La Cour, par cet arrêt, méconnaît entièrement le droit au profit de considérations politiques, c'est ce qu'a fait la Cour, en reconnaissant notamment au Front Polisario la capacité autoproclamée à défendre les intérêts du peuple Sahara occidental. La Cour aussi méconnaît entièrement les prérogatives diplomatiques de nos pays, 27 États qui n'ont jamais reconnu l'existence d'un État indépendant du Sahara occidental. Donc, selon nous, l'Union européenne donne des leçons, hein, comme ça, à la terre entière par le biais de la CJUE, et elle remet en question des choix qui ont été faits par des gouvernements qui ont été élus. Et elle remet en question les résultats des élections marocaines qui se sont déroulées démocratiquement. C'est, selon moi, une démocratie qui se voit bâillonnée par un gouvernement des juges. Dernier, sur notre position, elle est claire. La France a toujours reconnu l'intégrité territoriale du Maroc. Nous reconnaissons sa souveraineté. Nous soutenons son plan d'autodétermination. Et le problème, c'est que, par cet arrêt, la Cour d'appel, arrêt qu'elle a rendu au droit mouillé, hein, un arrêt sur l'intégrité territoriale, ça va loin parce qu'elle va à l'encontre, je le disais, de la volonté de 27 États membres. Elle décrédibilise nos diplomaties. Et là où il faut quand même bien réfléchir, c'est qu'elle remet en question et va fragiliser tous les accords passés et les accords à venir entre les nations européennes et les pays tiers. Nous perdons toute crédibilité. Donc je pense que cet empiètement sur notre politique diplomatique illustre un bras de fer avec l'Union européenne, nos 27 États membres, et nous avons ici la possibilité de travailler sur cet arrêt, de le remettre en question. On ne remet pas en question une décision, mais sur le fond, il y a un vrai problème de droit.